Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les chrétiens du monde entier célèbrent l'Ascension située entre Pâques et la Pentecôte. Cette fête chrétienne commémore, selon les textes, le jour où Jésus-Christ a quitté ses disciples pour rejoindre son Père dans les cieux. Le verdict final sur l'affaire concernant la saisie de cocaïne à Abidjan et à San Pedro en 2022 est tombé. Ce sont au total 19 personnes qui ont été inculpées de trafic international de drogue. Les détails dans cette édition. Et enfin, Fin de journal Lumière sur le manioc pilier de l'alimentation en Côte d'Ivoire. La tubercule connaît une augmentation significative des prix, une hausse qui a un impact important sur la Tchéquée. Plus de 2,2 milliards de chrétiens s'apprêtent à célébrer l'ascension le 9 mai. Cette date du calendrier chrétien revêt pourtant une importance toute particulière. L'ascension marque la montée de Jésus au ciel. L'ascension est une fête chrétienne et qui nous rappelle cette dernière rencontre de Jésus avec ses disciples et sa montée, son élévation au ciel. D'ailleurs, ascension qui vient du mot latin ascendere, donc montée. Il s'agit donc d'une montée et Jésus qui monte au ciel, Jésus qui est élevé dans les hauteurs des cieux, nous montre également qu'il est venu, qu'il accomplit son ministère. Il a prêché la parole de Dieu, il a comblé les attentes du peuple et il leur montre le chemin, le chemin de la vie éternelle. Lui-même, il s'élève jusqu'au ciel pour nous aider, nous aussi, à nous élever avec lui. Une grande célébration ou solennité à la croisée d'autres commémorations religieuses comme la Pentecôte ou encore la Pâque. Pâque a lieu et 40 jours, Jésus s'élève au ciel. Il retourne auprès de Dieu son Père. Mais puisqu'il retourne, nous devenons ses témoins. Témoins pour annoncer sa parole. Témoins pour transmettre l'évangile du salut qu'il a venu nous communiquer. Témoins pour que nous aussi, nous puissions ressusciter avec lui. Dans les Écritures chrétiennes, ce nouveau mode de présence de Jésus est relaté par l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, sans oublier le livre des Actes des Apôtres. Chose promise, chose faite, lance Joman Gervais, chef du village d'Azito, après avoir présenté les membres d'un conseil des chefs de village, de communauté et de quartiers de la commune de Yopougon. Idem pour l'évêque Jonathan Gba, qui a quant à lui présenté les membres du conseil des guides religieux de la commune de Yopougon. Cette action conjointe est en effet une volonté et une promesse de campagne du premier magistrat de la commune, Adama Big pour une gestion participative qui voit ainsi le jour à l'occasion de cette cérémonie d'installation. Et que sont ceux qui portent cette Côte mais c'est vous, c'est vous, les gardiens du temps, c'est vous, la caution morale, parce que les hommes de Dieu, c'est vous qui êtes les sécueurs de notre caution morale qui nous interpellait pour nous dire, l'âme, ce n'est pas bon. Humainement, il faut revenir sur telle ou telle décision. Et les gardiens du temps, vous êtes la voix pesée. Ce conseil des guides religieux et du conseil des chefs de village, des chefs de communauté et des chefs de quartier a pour rôle et mission de prôner la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble, régler les litiges pouvant intervenir dans les différentes communautés et faire de la sensibilisation, des actions sociales et le développement des différents villages. Écoutez, notre satisfaction est bien grande. C'est ce que nous avons souhaité, nous avons sollicité depuis toujours à l'entame de ce processus avec M. Le Maire. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes installés. Nous voulons manifester notre reconnaissance parce que ce sera pour nous une plateforme mmh. permettre à ce que l'Église dans son entièreté et les communautés religieuses musulmanes et chrétiennes prennent une part active dans, dans de la gestion des questions de la commune et surtout accompagner M. le maire dans le processus du développement et bien entendu transmettre les préoccupations de nos différents fidèles vis-à-vis -vis du maire afin qu'ensemble, on contribue à la gestion de notre communauté. Pour rappel, aux dernières élections couplées municipale et régionale de septembre 2023, M. Adama Bictogo présentait un programme de société qui comprend sept axes, à savoir la culture et le sport, les opportunités professionnelles pour les jeunes et les femmes, ainsi que l'industrialisation. Le verdict est tombé. Au terme de trois mois de procès, 13 personnes sont déclarées coupables de trafic international de drogue et association de malfaiteurs. Sur les peines, le tribunal a condamné Devesa Mira Miguel Angel, Valencia Sepulveda Gustavo Alberto, Muniz Kadabal José Maria, Picabea Carnes Aitor, Elbert Pérez Garcia, Sumano Lasana, Ouattara César, Mashlam Tamam, Doso Karamoko, Seri Grogué Patrice, Leila. Voici Guy Serge, Hussein Tan et Priolo Bartolo à 10 ans d'emprisonnement ferme et à 50 millions de francs d'amende chacun. Avril 2022, plus de deux tonnes de cocaïne sont saisies à Abidjan et à San Pedro. L'affaire fait grand bruit dans le pays. Très vite, les regards sont tournés vers des cadres, ainsi qu'un élu au Conseil régional, mais aussi vers Devesa Mera Miguel Angel, qui s'avère être le cerveau du trafic. L'Espagnol a écopé d'une amende de 60 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale. De ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants démontrent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de, stupéfi de stupéfiants et de substances psychotropes. Six personnes physiques et quatre personnes morales ont également été inculpées de faits similaires au terme d'une enquête qui a mis en exergue un vaste réseau de trafic de drogue opérant entre le Suriname, la Colombie, l'Italie, l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Des hausses allant de 50 à 100 francs à Abidjan ou encore à San Pedro. Le prix au kilo du manioc connaît des fluctuations à la hausse ces derniers mois. Un état de fait qui impacte l'activité des fabricants d'Atcheke, mais fait à base de ce moule de manioc. Le manioc a, a bâché à 80 000 à 60 000. Maintenant, le manioc est devenu la bâchette de à 300 000. Je vous montre un peu ce qui est là, là comme euh, le manioc est là. La matière première qui, qui amène à faire de la ticket, ce qui est là, le stock est là, là, qui va l'ordre de 300 à 400 000 fois. Plusieurs facteurs contribueraient à la hausse des prix du tubercule. La pluviométrie n'est plus la même qu'avant. On assiste à un retard de la venue de la, de la pluie. Le deuxième facteur, on a la perte de terres agricoles, surtout au niveau du sud, nous qui sommes au sud ici. On a l'urbanisation qui a pris un avantage. Pour atténuer cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le PSGouv afin de permettre aux producteurs de bénéficier des intrants. Aussi, le programme de POCI, programme de production alimentaire d'urgence, qui a été financé par la Banque africaine de développement, afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante alimentaire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info pensée.